Je suis Jacques Transeau, je suis à la fois président de la société Médiacité et son directeur de la rédaction. Alors, Médiacité, c'est un site d'investigation locale multiville, c'est-à-dire on est uniquement présent sur Internet, d'investigation, c'est-à-dire d'enquête très approfondie, exclusive, multiville, parce que pour l'instant nous sommes présents à Lille, mais également à Lyon, à Toulouse et à Nantes. On a choisi un modèle assez simple, assez pur, c'est l'abonnement. Parce que c'est une belle promesse qu'on fait au lecteur d'avoir de la bonne info. Et ils nous font l'amitié de la confiance de s'abonner avant même d'avoir le résultat. On a fait le choix de l'investigation locale parce qu'il manque d'enquête dans les régions. C'est-à-dire que la presse française, elle est en difficulté et elle est très concentrée à Paris. Et nous, on était des spécialistes, des amoureux des régions et des spécialistes de l'enquête en région. Alors la deuxième question, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est pour reconstruire la presse. Parce que on sait que le public est défiant par rapport à la presse. Un des moyens d'essayer de renouer cette fameuse confiance, c'est l'indépendance. On est indépendant de toute puissance d'argent, on est indépendant de tout grand actionnaire. Ce sont essentiellement des journalistes qui ont créé Médiacité. Et enfin, pourquoi pas de publicité? La publicité n'est pas mauvaise en soi, mais elle induit le doute. Si vous avez une publicité pour telle ou telle marque, les gens vont se dire, tiens, mais ils sont achetés par telle ou telle marque. D'où un choix radical, zéro pub, 100% d'indépendance. Dès qu'il y a un enjeu pour la ville, dès que les décisions influeront sur le quotidien et l'avenir des concitoyens, des habitants de cette ville, on choisit nos sujets, c'est que des gros sujets, un enjeu. Le journalisme est un métier d'offre, on est donc prescripteur, il faut évidemment écouter les remontées du public, mais c'est à nous de hiérarchiser ce qui compte. Au-delà des investigations, on a aussi développé ce qu'on appelle parfois des enquêtes de solutions. Nous, on préfère les enquêtes dites de réponse, c'est-à-dire qu'on essaye de construire des investigations, des enquêtes avec notre communauté, avec le lecteur, pour apporter des réponses à des dysfonctionnements. En 2016, à plusieurs, à cinq des 8 cofondateurs de Médiacité, on a quitté l'Express, dont j'étais le rédacteur en chef du service région. Un nouvel actionnaire est arrivé, à l'époque c'était Patrick Drahi, et assez rapidement on a eu envie de partir. Déjà parce que son attitude n'était pas, on va dire, correcte, mais aussi parce qu'il n'avait aucune stratégie claire par rapport à la presse, qu'il ne connaissait pas, il le reconnaissait d'ailleurs lui-même. Et donc on s'est enhardi et on s'est dit, puisque le projet qu'on avait essayé de vendre en interne n'a pas été retenu, on va essayer de le porter seul. Et on va essayer de se passer de patron. C'est un peu audacieux. 5 ans plus tard, même si c'est difficile, nous sommes toujours là. Les fonds récoltés vont nous permettre déjà de faire continuer de produire, de publier des enquêtes, des investigations qui n'auraient jamais existé sans cela. Ça va également nous permettre de nous faire davantage connaître et ça va nous permettre de nous déployer peut-être dans une autre ville. L'ambition, c'est de devenir le numéro 1 de l'investigation en France, c'est-à-dire d'être présent dans toutes les grandes villes, parce que c'est nécessaire à l'information du public, c'est nécessaire à la démocratie. Voilà à quoi va servir l'argent. Et je vous garantis qu'on ne se met pas plein les poches. On a tous des salaires très 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 limités. En gros, on est tous payés 1 800 euros net. Tous les journalistes sont payés à ce niveau de prix. Je vous garantis que je gagnais beaucoup plus à l'Express, mais peu importe, on y croit. C'est un sacerdoce, et donc si les journalistes ne sont pas là pour défendre le bon journalisme, personne ne fera leur place. Alors, c'est une campagne d'abonnement importante parce qu'on est dans une passe difficile. Ça fait bientôt 5 ans donc, que nous existons, et nous ne sommes toujours pas à l'équilibre économique. On ne peut pas continuer ainsi éternellement. On a dit à l'ensemble des gens qui nous connaissent un peu, mais qui n'ont pas franchi le cap de l'abonnement, écoutez, si vous ne passez pas le cap de l'abonnement maintenant, ça va être très compliqué pour nous l'année prochaine. On ne va peut-être pas disparaître en 2022, mais il va falloir couper dans les effectifs, produire moins, revoir le modèle économique, mais on ne peut pas s'en sortir. Donc si vous pensez que ce qu'on a produit, publié jusqu'à présent est de qualité, si vous pensez qu'un média d'investigation local est nécessaire pour votre ville, si vous croyez au pluralisme de la presse, eh bien c'est le moment de vous abonner. C'est maintenant ou jamais.